Chekina est un peu comme Cendrillon, c'est-à-dire c'est la fille qui est en bas de toute la chaîne hiérarchique de cette maison. C'est une orpheline, elle ne sait pas d'où elle vient, et donc elle a été un peu adoptée par cette famille pour faire le rôle de la jardinière. Elle accepte beaucoup de choses et beaucoup d'abus, surtout parce que c'est un personnage qui cherche tout le temps un peu d'affection. C'est un fast schmerzender Zustand, dass dieses Mädchen so dermaßen drangsaliert und gequält wird. Erstmal von den beiden Männern, die etwas von ihr wollen, von dem Marchese, aber auch von Mengotto, dem anderen Angestellten dort im Hause. Ja, Sandrina, la gouvernante, et Paolucci, qui est la cuisinière, elle la déteste, mais parce qu'elle inspire cet idéal de femme bonne, innocente, tendre. Das Schöne an der Geschichte ist ja sozusagen, dass sich dann irgendwann der Spieß umdreht. C'est un opéra qui a une histoire typique d'opéra, où il y a un amour impossible, où il y a une révélation sur les parents d'un tel personnage. C'est tout à fait tous les sujets clichés, il y a des moments très comiques. Konventionen sind sozusagen auch ein Korsett, in dem das Ganze sich bewegt. Das ist also fast wie ein Uhrwerk. Das ganze Leben ist in einer festen, gefügten Ordnung und da rein brechen die Leidenschaften, die dann eigentlich alles durcheinander bringen. Wie diese Menschen aufeinander prallen und was ihnen alles widerfährt, das ist teilweise auch zum Heulen komisch.